Vatanen et son fils Max ont été victimes d'un accident hier lors du 54e Tour de Corse. Max Vatanen a quitté l'hôpital de Bastia en fin d'après-midi. Son père devrait être transféré dans un hôpital de Marseille en fin de soirée. Solange Gradiani et Marie-Laure Dagnel. Des images tournées hier, quelques secondes avant l'accident. Puis c'est la sortie de route entre Barquette et La Porte. Problème de freinage ou mauvaise appréciation du virage, la raison de cet accident reste encore indéterminée. Mais selon nos informations, c'est le fils d'Ari Vatanen, Max, âgé d'une vingtaine d'années, qui pilotait la Peugeot 207. Ce dernier, en s'accrochant au volant du véhicule, a pu limiter les dégâts et s'en sort avec de légères blessures à la nuque. Ari Vatanen, lui, souffre d'une grosse entorse au cervical. Selon nos informations, le célèbre pilote ne portait pas de casque nouvelle génération qui aurait permis de mieux protéger les vertèbres. Hier après-midi, les deux coureurs automobiles ont été transférés au service neurochirurgie de l'hôpital de Bastia. Aujourd'hui, le fils a quitté l'établissement hospitalier sans séquelles. Ari Vatanen sera transféré ce soir sur Marseille, où il sera suivi par le professeur Duby, médecin de la Fédération internationale du sport automobile. Officiellement, ses blessures sont considérées comme étant sans gravité. Et côté sportif, il faudra attendre la fin du rallye à 20h30 pour savoir si le pilote belge Thierry Neuville, actuellement leader au classement général, est bien le vainqueur de cette édition Nouvelle Formule. Mais après 3 journées de rallye, l'heure est déjà au bilan. Anthony Laurent, Jacques-Paul Stéphanie. L'état de santé d'Ari Vatanen n'inspire plus d'inquiétude et c'est une bonne nouvelle pour ce Tour de Corse, nouvelle version qui s'épargne ainsi un drame qui aurait pu ternir son image. Car question image, les spectateurs ont pu aujourd'hui encore s'en mettre plein les pixels, la formule IRC ayant déjà conquis de nombreux adeptes. Dans l'IRC c'était beaucoup plus fermé, là on peut carrément s'approcher des pilotes, c'est quand même agréable, c'est sympa, c'est beaucoup plus sympa. L'IRC c'est souvent des zones VIP, donc on ne peut pas y aller. Ici, on a les mêmes voitures, la même ambiance pétaradante, les mêmes odeurs de gomme et d'échappement. Certains spectateurs font malgré tout la fine bouche face à ce rallye aux allures de Canada Dry. Il y a moins de voitures, moins de pilotes de grand renom, mais ça reste quand même une très belle course. Du côté des pilotes, le son de cloche est un peu différent, selon que l'on se satisfait de cette opportunité d'avoir un volant sur le Tour de Corse ou que l'on vise la marche au-dessus et la catégorie reine. Le WRC coûte un petit peu plus cher que le S2000, donc forcément ça réduit le nombre de participants. Il y a de la bagarre tout le temps et c'est ça où on apprend le plus, donc je pense que je suis à ma place et peut-être pour le futur, mais pour l'instant j'y travaille, il y a encore pas mal de travail à faire pour être au top, pour aller en WRC. Dans cette optique, le jeune pilote belge a marqué des points en menant la danse durant une bonne partie de l'épreuve. Quant aux insulaires, ils ont fait mieux que se défendre, à l'image de Pierre Campana, quatrième au classement général à 2 spéciales de l'arrivée.